Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Je suis Franck Payen et aujourd'hui nous sommes sur la chaîne YouTube Adobe France sur laquelle je reçois Julien Tabé. Bonjour Julien. Bonjour à toi. Bonjour aux uns et aux autres, bonjour aux gens qui nous rejoignent pour la première fois, bonjour aux habitués. Pour ceux qui nous rejoignent pour la toute première fois, vous allez découvrir eh bien, sur cette chaîne YouTube pas mal de boulot, d'inspiration, pas mal de contenu technique. On vient de faire un gros tour d'horizon des fonctions qui auraient pu servir aux photographes, par exemple, à l'intérieur des nouvelles versions du Creative Cloud. Et très très régulièrement, j'organise des masterclass qui me permettent de rentrer en contact avec des artistes pour voir eh bien, les outils Creative Cloud dans utilisés dans leur contexte. Ici, nous avons choisi de recevoir Julien Tabé, qui n'est pas photographe, mais qui est retoucheur. C'est ça, exactement. C'est-à-dire que toutes les images qu'on va voir de toi aujourd'hui, enfin toutes les images, une grosse partie des images qu'on va voir de toi, ne sont pas des photos que tu as prises dans tes nombreux safaris. Tout à fait. Mais des photos de banque d'images avec lesquelles tu as travaillé pour, ouais. Pour pouvoir mettre en place ces contenus. Exactement. J'aurais aimé partir en safari, mais... Mais c'est peut-être la suite. J'espère que ce sera la suite. Il n'y a pas de limite. Oui, tout à fait. Voilà, sur l'instant, ça n'y est pas encore, mais... Mais peut-être que ça viendra tranquillement. Ouais. Comme d'habitude, pour les gens qui ne nous connaissent pas encore, alors vous n'hésitez pas, il y a une fenêtre de chat autour de votre YouTube sur laquelle vous pouvez vous connecter, dire bonjour. Par exemple, bonjour à Christoun, bonjour à Eric, à Chris, à TMPX, à Yak, à M. Dommage pour M qui ne comprend pas du tout français. Sorry M, you don't have any chance today. We're gonna speak French only because Julien is speaking French with me and there is French audience here. Voilà. Pour les autres, on va rester en français parce que après tout, il n'y a pas de raison. Il y a énormément de contenu sur la chaîne YouTube Adobe Corp. Ouais, je pense qu'on va avoir qui beaucoup est de sur Beyond Life. Ouais, tu penses qu'il va arriver, qu'il va s'attendre à ce que je parle anglais. Ouais. Il faudrait presque qu'on se mette une notice dessus, genre attention, c'est pas de chance pour vous. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Julien, je vais vous partager mon écran. On va se mettre en petit dans un coin, pouf. Et vous allez voir que vous devriez reconnaître certaines de ces images parce que vous les avez aperçues, je pense, au détour d'Instagram. Vous êtes quelques-uns à le suivre. Ça fait un certain temps que tu fais ça. Ça fait combien de temps que tu postes sur Insta sous cette forme-là? Que je poste, j'ai commencé il y a 2 ans, un petit peu plus de 2 ans, ouais, 2017. Et donc 2 ans, 120 et quelques publications. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu te donnes un rythme sur les publications? Quand j'ai commencé au tout début, je me suis mis un petit challenge, j'essaie d'en faire une par jour. Mm-hmm. Et je me suis très vite rendu compte que la vie m'a rattrapé, que ça allait pas être possible tous les jours. Que si tu voulais avoir une vie, tu pouvais pas rester collé sur ton ordi. Ouais, mais depuis une petite année, j'essaie de poster une fois par semaine. Mon petit créneau, c'est le dimanche. D'accord. Donc c'est de poster tous les dimanches une création, histoire de pas trop m'imposer non plus un rythme trop chargé, et d'essayer d'être régulier à la fois. Histoire de pouvoir profiter de la vie quand même, parce que sinon c'est pas drôle. Et puis pourquoi pas faire d'autres projets en parallèle, j'avais mes études avant, tout ça. D'accord, tu faisais quoi comme études ? Alors j'ai commencé par faire une mise à niveau en art appliqué, donc à Rennes. J'ai enchaîné sur un BTS en design graphique. Okay. Là, pour le coup, c'était plus donc, la création d'identité visuelle, de flyers, d'affiches. Enfin, vraiment pour la publicité en général. Mm-hmm. C'était plus pour des médias imprimés. Ouais. Et par la suite, donc, l'année dernière, j'ai fait des études en web design, année. Justement pour un peu compléter ce niveau que j'avais en imprimé et toucher un peu plus à l'aspect digital, numérique. D'accord. Pour être un peu à l'aise sur tous les supports. Quoi. Ouais, pouvoir suivre un petit peu ça, pouvoir... Mm-hmm. Pouvoir comprendre aussi où aller les images que tu réalisais. C'est ça. Et du coup, sur ce genre de contenu, qu'est-ce qui t'a amené à ça? Donc, pour les études, on voit à peu près le chemin, je dirais un chemin assez classique, mine de rien. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ces images-là? Comment ça a commencé? Bah, à la base, c'était un été, je m'ennuyais. Et j'ai découvert un peu Instagram, j'ai découvert qu'il y avait un vrai univers... d'artistes, en fait, je pensais que c'était vraiment un réseau social un peu banal au début. Ouais. Et t'as un vrai réseau de gens qui partagent leur travail, qui partagent leur passion. Et du coup, j'ai commencé à voir des gens qui travaillaient un peu sur la retouche de photos, le surréalisme. D'accord. Et directement, je me suis dit, bah, moi j'adore utiliser Photoshop, pourquoi j'essayerais pas? Mm-hmm.
Et donc ça a commencé comme ça. J'ai toujours aimé un peu l'absurde, le surréalisme, les choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Et ça a commencé comme ça. Et puis avec le temps, j'ai essayé de me trouver un style, je me suis donné des codes couleurs. Ouais, et je me suis beaucoup attaché donc récemment au domaine animalier, qui m'a toujours un peu passionné. Et donc voilà comment ça a commencé. C'était vraiment assez inattendu le fait que des gens commencent à me suivre et à partager mon travail. Donc la tournure est assez cool. Et ça m'a permis d'avoir un peu une identité qui me permet... Parce que c'est vrai que dans les études que je fais, on nous dit souvent d'essayer d'avoir notre propre identité graphique, avoir un univers pour lequel les gens vont venir vers nous. Les gens t'identifient à ça. Du coup, effectivement, on le voit d'ailleurs quand sur les posts Instagram. Question, est-ce que tu as nettoyé des plus anciens Instagram? Oui. Ouais, c'est ça. J'ai une petite vingtaine de posts qui sont cachés. Qui sont cachés, qui ont disparu parce voilà. qu'ils n'étaient pas dans les tons cyan et rose. Entre autres, ou qui ont une qualité que... Je me dis, c'est plus possible. C'est le principe de l'édition, d'ailleurs, de la curation, de l'édition, du tri. Réussir à faire un choix sur un portfolio. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu as assez vite, parce que même si tu nous dis qu'il y a une vingtaine de posts qui ont disparu, ça veut dire qu'il y a quand même très rapidement ce moment où tu mets en place cette charte sur les deux couleurs. Comment tu as choisi cette palette? Alors, déjà, je me suis dit, j'ai vu que les gens aimaient beaucoup s'identifier, aimaient beaucoup l'idée que sur Instagram, un feed soit très cohérent, soit par les couleurs, soit par le contenu qui est proposé. Ouais. Et déjà, je me suis dit, j'ai pas envie de me limiter dans ma créativité, j'ai pas envie de me bloquer dans un concept spécialement. Je me suis dit, pour moi, le meilleur moyen d'avoir quelque chose de cohérent sans me bloquer, c'était de jouer sur les couleurs, d'avoir des couleurs assez récurrentes, pour que voilà, ce soit la seule chose que j'ai à faire à chaque fois pour que mon feed soit cohérent. Je vais jouer sur les couleurs et comme ça, ma créativité... Toi, tu focalises sur l'image au départ. Et tu mets le jus à la fin Ça dépend, des fois ça intervient au début, au milieu, enfin voir un peu si l'image peut coller avec mes couleurs à moi aussi, c'est important. Mais et pourquoi ces tons un peu cyan, rose, honnêtement je sais pas vraiment. Ça m'a attiré, j'ai commencé comme ça, j'ai aimé dès le début, et les gens ont aimé, je me suis dit bah ouais ça me correspond plutôt bien. Ça te correspond, donc autant profiter de cette dynamique, de cette direction. Mais quand même, petit à petit, j'essaye un peu de m'en détacher. Tu peux voir, plus tu scrolles, plus tu vois du jaune apparaître, qui n'était pas forcément là avant. J'essaye un peu de me détacher de ça, mais voilà, j'essaie de garder mon token. Est-ce qu'il y a des images, je suis en train de regarder en remontant, que tu aurais re-rendues par la suite? J'étais en train de regarder si les chats avaient évolué. Mon chat a un petit peu évolué, il a pris un peu plus de couleurs, on va dire. C'est ça. Et ouais. Donc tu reviens sur des versions au fur et à mesure. Ouais. J'aime bien l'idée de voir un peu mon travail évoluer. Au début, c'était quelque chose de très sombre. Aujourd'hui, c'est plus dans les teintes assez claires. C'est vrai qu'au début, on était beaucoup sur du bleu. Et du coup, en remontant, on retrouve le rose qui s'est adouci et le retour d'autres couleurs dedans. Totalement. Est-ce que tu vois une différence dans la perception de tes images? Parce que tu as quand même pas mal de monde qui te suit là-dessus. Est-ce que selon les gammes de couleurs que tu travailles, tu as plus de retours ou pas spécialement. Après, vu que j'ai toujours en fait le même système de filtre de couleurs au-dessus de mon fichier, les teintes sont toujours vraiment très similaires et les gens souvent ils voient pas forcément ils aiment bien quand j'utilise du vert, du bleu, du rosé. Ils aiment le fait que globalement on retrouve quand même quelque chose de très cohérent dans l'ensemble. Et du coup tous tes rendus sont quand même très graphiques. Sont très... t'es sur du surréalisme, mais est-ce que ce qu'on verra, je pense, tout à l'heure, le process, la manière dont tu fabriques ça, c'est limite il y a un côté dessin, Je travaille beaucoup à base... Donc souvent, j'ai mon image de base, autour de laquelle j'ai plus ou moins mon idée. L'idée peut évoluer au fil de la création. Et ouais, souvent, par-dessus, je viens dessiner... Et sur ce dessin, après j'ai acheté de la texture, de la matière, des ombres, de la lumière. Et c'est ce qui fait mon rendu final en général. D'accord. Beaucoup de dessins, ouais. Après, je n'ai pas un niveau de dessin exceptionnel, mais j'aime bien dessiner les formes. Je,
je poserais bien la question aux gens qui te connaissent, de où ils t'ont rencontré. Alors je vois Chris qui dit au niveau technique, au-delà de du niveau technique, la créativité de Julien est fabuleuse. Je me demande comment on peut avoir autant d'idées. Bah, merci alors, Chris. Alors, comment on peut avoir autant d'idées ? Et bah, très bonne question. Après, c'est vrai que plus le temps passe, plus je trouve que c'est difficile pour moi d'avoir des idées, parce que il y en a beaucoup que j'ai déjà exploité et que j'avais envie d'exploiter. Ouais. Et souvent, ça prend beaucoup de temps. Quand je dis que je poste toutes les semaines, c'est vraiment que l'image que je crée me prend généralement une semaine. C'est-à-dire que je passe souvent mes deux premiers jours à regarder des stocks, à essayer de dessiner par-dessus, je fais un peu des dessins de mon côté, j'essaie d'avoir des idées. D'accord. 90% du temps, ça ne matche pas du tout. Donc il y a tout ce process de recherche, création, on abandonne, on recommence, on abandonne, on recommence. Et souvent, l'idée, je l'ai dans les derniers jours et je me dis, ok, je me bloque là-dessus, je pars à fond dans ma créa et je poste ça en fin de semaine. D'accord. Donc ouais, des fois, j'ai des blocages artistiques, comme beaucoup de gens. Mmh. Et des fois, ça vient tout seul. Alors, TMPX, qui est un vieux routard de la chaîne, nous dit « C'est dommage que tu n'appliques pas la règle des tiers sur les images. » C'est vrai. C'est vrai. On a déjà fait la remarque, ouais. Et d'un autre côté, la règle des tiers sur les formats carrés, elle rend pas forcément les choses harmonieuses qu'on le souhaiterait, je pense. Et je sais pas, moi, depuis toujours, j'adore la symétrie, j'adore quand les choses sont centrées, donc c'est quelque chose qui... qui est difficile à dépasser. Alors il y a Baptiste qui dit où est-ce qu'on peut avoir autant d'idées à l'école, est-ce que c'est quelqu'un que tu connais et qui du coup ferait un clin d'œil? Tout à fait, c'est mon colocataire. C'est ça, hein. Donc voilà, merci. Je sentais qu'il y avait un truc comme ça. M nous demande en anglais, il se demande comment les animaux réagiraient s'ils voyaient les images que tu réalises. Est-ce que tu as déjà fait des tests? Je pense qu'on a des idées, hein. On voit mon dernier post où j'ai fait un espèce de jaguar qui part à la chasse. Je pense que s'il savait qu'il pouvait transformer sa queue en lasso, ça lui simplifierait la vie. Hein. Il faudrait retrouver le jaguar marsupilami, qui doit être relativement rare, parce que j'en avais pas encore vu jusqu'ici. Mais j'aime beaucoup l'idée d'imaginer, je sais pas, que les animaux se comportent d'une manière différente quand on les voit pas, je sais pas. Cette idée un peu, aussi dans mes couleurs, cette idée un peu de rêve, onirique, de se dire, ça pourrait exister, pourquoi pas, juste on ne sait pas. Et alors ce qu'on voit aussi sur beaucoup de tes créations, pas forcément toutes, mais quand même en grande partie, c'est que tu prends le temps de faire un petit pas à pas, un petit process, des différentes étapes du process. Ouais, je fais ça depuis assez récemment là. Deux trucs d'ailleurs que j'avais pas vu du tout, genre le petit rouge-gorge au pied de ta panthère, j'avais pas vu du tout. Il y a un fun fact assez marrant, c'est sur quasiment tous mes visuels, il y a un oiseau caché quelque part. D'accord. C'est mon petit truc à moi. Et est-ce que t'as des gens qui l'ont repéré ou pas ? Ouais, totalement. Mais qui l'ont repéré, genre tu leur en avais parlé et ils ont regardé ou Aussi, mais des fois des gens m'envoient des messages, c'est marrant, j'ai vu qu'il y avait un oiseau sur tous tes visuels, des fois il est caché. Celui-là, tu peux le retrouver. Celui-là, il est facile en mode pique-bœuf. Ouais. Hein. Est-ce que c'est toujours le même genre d'animal ou est-ce que c'est des variétés d'oiseaux ? D'oiseaux, ouais. Généralement, c'est vraiment un peu ce qui vient sous la main. Je me dis, tiens, il rentre bien dans les couleurs, il a une bonne tête. C'est vraiment un peu la touche marrante que j'aime bien ajouter à mes visuels. Et donc, ouais, ce process, cette manière justement de travailler l'image, de conserver les éléments, de conserver les étapes, c'est un truc que tu fais sur Instagram, mais que tu développais aussi, on l'a vu un petit peu plus tôt, sur YouTube. Alors, pour ceux qui cherchent à comprendre un petit peu plus Julien, j'avais mis le lien de son Instagram, instagram.com/julien.tabé, ouais. Et t'as mis un Linktree qui permet de retrouver alors à la fois ta page web, mais sur laquelle tu vas poster principalement les mêmes visuels. Totalement. Du coup, tu as une petite communauté dessus. Je sais pas, je dois avoir 7000 personnes qui me suivent. Très correct, mais ouais, Instagram reste mon réseau principal. Et pour ceux qui seraient intéressés et qui ont envie d'en prendre plein les yeux, tu as une chaîne YouTube. Et sur cette chaîne YouTube, il y a les speed edits de tes vidéos, de beaucoup de tes vidéos. Alors par contre, ça date d'il y a un an. Ça fait un an que j'ai pas alimenté tout ça. Est-ce que tu t'as arrêté de les mettre parce que tu les mettais plutôt sur les stories Instagram ou est-ce que c'est Ouais, entre autres, j'ai vu que j'ai commencé à faire donc mes vidéos YouTube et j'ai vu que pour le temps que je passais, il y avait vraiment peu de personnes qui prenaient le temps de le regarder et j'ai vu que sur Instagram, quand je le postais, les gens, vu que j'ai une plus grosse communauté, il y avait beaucoup plus d'impact et les gens aimaient beaucoup. Donc c'est vrai que j'ai mis plus en avant
un réseau que l'autre. Mais je me tâte aujourd'hui, pourquoi pas retourner sur YouTube et pourquoi pas faire des vidéos peut-être plus poussées que des speed edits où j'explique des parties en particulier. Ça peut être intéressant aussi. Mm-hmm. De toute façon, vous savez, si vous voulez échanger avec Julien, du coup, il y a principalement son Insta. Il y aura évidemment, pour ceux qui nous suivent sur le direct, j'ai vu que Axel était en train de regarder, mais qu'il n'aura pas le temps et qui reprendra le rediff. La rediff, pour ceux qui découvrent ça, hein, n'hésitez pas, sur la chaîne YouTube Adobe France, si vous n'êtes pas en live, vous pouvez revenir, vous pouvez accélérer, ralentir, retrouver étape par étape tout ce qu'on a mis en place. Ça, c'est un peu la partie faire la retape sur le contenu, mais, oups, pardon, check, reviens là, accueil. Toute la session que vous regardez à l'heure actuelle, elle sera disponible dans le contenu masterclass très prochainement pour que vous puissiez en profiter. Donc n'hésitez pas, même dans les commentaires, je mettrai un petit rappel si jamais les gens ont envie d'échanger avec toi. Totalement. N'hésitez pas, parce que c'est vrai que c'est un truc qui est assez intéressant. Toi, tu me disais que tu viens de Reims, de Rennes. De Rennes, c'est ça. Bien tenté. Tu me disais que tu viens de Rennes, et du coup, est-ce que là-bas, tu es en contact avec des artistes, des photographes, des illustrateurs, parce que tu y as fait tes études. Ouais, oui, oui. Donc tu dois avoir la communauté d'étudiants peut-être, au moins c'est ton coloc. Après, en dehors de vraiment les gens que j'ai rencontrés pendant mes études, qui sont dans le même domaine, donc qui touchent au graphisme, à l'architecture, au design de produits, ce qui est bien parce qu'on a différents corps de métier, que j'ai rencontré des gens qui partent dans des filières très différentes. Mais au-delà de ça, à Rennes, c'est vrai que j'ai pas encore découvert de communauté de photographes ou de retoucheurs. Mais après, donc, comme je te disais tout à l'heure, de par Instagram, je connais beaucoup de gens de français qui sont plutôt sur Paris ou dans d'autres villes et à l'international surtout. C'est ça qui est génial avec les réseaux sociaux, c'est que tu parles avec plein de gens avec qui tu pensais jamais rentrer en contact et des gens qui ont beaucoup d'expérience à t'apporter. Mais ouais, c'est vrai que sur Rennes, je suis pas dans un groupe ou dans un... Non. S'il y en a dans le chat qui habite à Rennes. S'il y a des Rennais, s'il y a des Bretons, vous faites comme d'hab, vous agitez un drapeau. Il y a moyen, vous savez comment faire. Normalement, je crois que c'est appris en école primaire en Bretagne. On les apprend à trimballer leur drapeau et le sortir. Il y a des cours. En réunion. Par rapport à ça, moi, c'est vrai qu'il y a un point que j'aime bien. Je sais plus, tu m'avais dit, non, toi, t'es pas sur Behance encore. Sur ça. Je recommande pour les gens qui seraient en recherche d'inspiration, en recherche de contact ou autre, vous avez Behance.net, Behance.net, qui est le réseau des créatifs. Il est accessible sur n'importe quel navigateur. Et moi, je sais que quand je pars à la recherche d'artistes, de talents dans différents domaines, alors il y a évidemment le meilleur de Behance, et là c'est vraiment ce qui marche très très bien dans les dernières semaines, dans tous les domaines, photo, illustration, motion, etc. On peut retrouver des galeries par application, donc dans Photoshop on va retrouver des artistes Photoshop spécifiquement, on va retrouver par thème, hein, photo, illustration, anime, archi, enfin, vous voyez qu'il y a vraiment toutes les catégories qui peuvent être des trucs qui vous intéressent. Et souvent, si je cherche des choses un petit peu plus spécifiques, il y a une petite loupe ici, rechercher et filtrer. Et quand je recherche, je peux rechercher par exemple des personnes, et je peux rechercher les personnes en filtrant. Par exemple, je vais chercher quelqu'un qui est plutôt en mode photographie, et en mode photographie, mais je vais filtrer en allant chercher peut-être par pays. Donc je vais chercher des gens qui sont en France, et je vais chercher des gens qui sont en France autour de Rennes. On va te trouver des amis directement. Allons-y. Et en appliquant les filtres, eh bien, on va voir qu'il y a quelques photographes qui se présentent autour de Rennes, justement, et qu'on peut... Alors, je ne sais pas encore, dans Behance, filtrer un peu plus large, tu sais, j'ai envie de dire, je veux Rennes et les villes autour. Genre, okay, est-ce que... pas les questions pièges, genre, est-ce que Rennes, c'est vraiment en Bretagne, est-ce que le Mont-Saint-Michel est breton ou normand, tout ça. Voilà. De débat. c'est toujours le même débat, on a le même chaque semaine avec nos invités. Mais par contre, effectivement, pouvoir trouver des talents, des communautés sur place, c'est vrai qu'il se passe des trucs. Là, d'ailleurs, j'ai une sélection des éléments qui ont été réalisés cette semaine, mais il y en a peut-être qui viennent de plus loin, il y en a peut-être qui viennent de toutes les disciplines, et on va pouvoir retrouver différents styles. Tu pourras sûrement retrouver en plus des camarades de classe à toi, ou même des professeurs sur ce sujet-là. C'est vrai que c'est un...
c'est toujours intéressant justement de pouvoir se rendre compte que oui, les communautés existent, et je recommande régulièrement Behance parce qu'on s'en sert autour, non seulement bah, pour présenter projet par projet. Je vais prendre un projet et je vais détailler mon projet, regarder comment ça a été mis en place, qu'est-ce qu'on a fait autour, etc. Mais ce qui est cool, c'est que quand on trouve un artiste qu'on aime bien, en dehors de mettre du petit like dessus, on peut tout à fait voir le reste de son travail et du coup ben, comprendre comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il a fait d'autre, est-ce que le type de projet qu'il réalise, c'est des projets qui seraient intéressants pour un client, que ce soit un éditeur, que ce soit une agence ou autre. Donc il y a vraiment pas mal de contenu là-dedans. N'hésitez pas, ça c'est sur Behance. Je savais pas tout ça. On peut aller chercher des... Mais c'est un petit peu la partie démo process, TMPX, RAL, pour avoir de la démo process. Mmh. On y vient, t'inquiète. Une chose à la fois. Enfin, pour ceux qui n'auraient pas encore rencontré Julien, je ne sais pas si vous l'avez découvert sur le fil Instagram, le sien directement, ou sur le fil Instagram d'Adobe France, où régulièrement on invite des photographes à prendre pendant quelques jours prendre la main sur ce fil, que ce soit en story. On a reçu, la semaine dernière, je recevais Anavanda Gogusset, qui est venue nous présenter ses illustrations qu'elle avait réalisées pendant la session Max, et elle les avait réalisées sur Fresco, par exemple. Mais Mr. Cup a fait pareil, lui, avec ses mélanges d'images. Mm-hmm. Et il y a une bonne partie des gens que vous voyez sur le fil Instagram d'Adobe France, que vous allez retrouver ici sur l'écran, et que vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à regarder ça. Et si vous voulez donc revoir plus en détail Julien et ses speed edits, ce sera sur sa chaîne, YouTube. Ouais. Directement. Donc voilà, ça c'était un petit tour d'horizon. N'hésitez pas aussi, j'ai vu que tu avais ce que tu appelles ton print shop, ouais, sur tes images, une boutique en ligne. On peut commander tes visuels. Ouais. Est-ce que tu as tout mis ou est-ce que tu as mis certains seulement? Alors sur celui-là c'est plus un site où on peut acheter des toiles et des visuels en grand format. D'accord. Et à côté, il y a la boutique Etsy où c'est vraiment moi qui m'occupe de tout pour le coup. Mm-hmm. Où il y a quasiment tous mes visuels. Mes 50 derniers sont quasiment tous là. D'accord. Et ouais, je m'occupe de ça au quotidien. C'est aussi un truc qui prend pas mal de temps dans mes journées. Mm-hmm. Ouais, bien sûr, forcément. Parce que si tu as. Quand tu dois gérer, tu gères la commande, mais c'est eux qui impriment ou c'est toi qui imprimes Je gère l'impression, gère la commande, je gère le service client. Bien, donc ça fait effectivement un beau boulot de logistique, ouais. En plus. Et c'était super intéressant de rentrer là-dedans. Ouais. Et est-ce que tu as des retours justement des utilisateurs en dehors des likes sur le contenu, genre des acheteurs, des clients qui viennent et qui reviennent? Oui, ouais. Et c'est super, hein, t'as des gens qui achètent, après qui m'envoient des messages sur Instagram, qui me montrent où est-ce qu'ils l'ont mis chez eux, qui aiment bien partager un peu tout ça. T'as des gens qui se tatouent mes visuels aussi, je trouve ça assez hallucinant. Ouais. Ouais. J'en ai reçu deux ou trois de gens qui sont tatoués mes visuels. Est-ce que tu les as partagés quelque part ou pas encore? Je dois pas les avoir. Non, même pas, en story, faire des trucs. Un mail le caché quelque part. Mais... ouais. Okay. Bon, si c'est à des endroits décents, on va pas chercher ça. Ouais. On va pas chercher ça du tout. TMPX nous demande comment est-ce que tu vends. Est-ce que tu vends en peinture ou en impression digitale? C'est de l'impression digitale, ouais. Uniquement. Et par contre, c'est des impressions, est-ce qu'elles sont numérotées? Est-ce qu'elles sont... Tu fais des séries spécifiques pour les utilisateurs? Non, pas spécialement. D'accord. Mais moi, je crois essayer de prendre bien soin de la petite signature, tout ça. Enfin, mais oui. C'est vrai qu'il n'y a pas d'édition limitée encore jusque-là. Sur la... ouais, de toute façon, un truc qu'on voit, c'est comme tu le disais, t'as beaucoup bossé aussi en identité visuelle. Et on le voit sur tes rendus, il y a à la fois la couleur, mais à chaque fois il y a ton petit ton petit picto, il y a vraiment tout le process est documenté, trié, etc. Mm-hmm. Donc cette cohérence visuelle, elle est importante et elle fait partie un peu de la marque de fabrique. Mm-hmm. Moi je trouve que c'est super important de documenter ce que tu fais, même quand tu reviens plusieurs mois, plusieurs années plus tard, rien que voir l'évolution de où tu es parti, de comment tu travaillais avant, comment tu travailles aujourd'hui. Mmh. Bon, moi ce que j'aime beaucoup faire quand je travaille, par exemple sur mes 30 dernières images, ouais. C'est à chaque fois que je commence mon image, mmh. Donc je travaille peut-être un quart d'heure dessus, okay. J'ai une idée, j'enregistre un JPEG, pas forcément en très bonne qualité, mais j'enregistre, et une demi-heure après je viens réenregistrer, et okay. En gros au fil du temps, plus mon visuel avance, et
je check un peu ça, je regarde un peu l'évolution de mon travail, ça me donne une motivation de me dire ok. Parce que c'est vrai que c'est des montages souvent qui prennent, je sais pas, ça peut me prendre jusqu'à 10-15 heures des fois si vraiment on s'attache aux détails. Et pour moi, ma motivation, c'est vraiment de voir l'évolution de mon travail. Donc, je sais pas si d'autres gens font ça, mais pour moi, j'adore avoir. Alors, petit sondage, est-ce que vous regardez l'évolution de vos travaux ou pas dans le chat? Tout à l'heure, je te montrais, parce que pour ceux. Alors, je sais pas s'il y a des gens qui étaient là à la session de 10 à 11 sur les nouveautés autour de la photographie sur la chaîne YouTube. J'ai présenté ce truc-là. Hop, donc mon écran, avec l'application Creative Cloud, et notamment je leur disais, sur Photoshop par exemple, vous avez tous les tutoriels, vous avez toute la galerie Behance qui va avec, mais vous avez tout en haut de votre appli Creative Cloud votre travail. Et dans votre travail, vous avez vos documents en ligne. Dans les documents en ligne, c'est un petit peu la suite de ce qu'on avait sur le Creative Cloud. Et notamment, tout à l'heure, j'ai fait un travail sur un panorama. Et ce sur quoi je me suis amusé sur ce boulot-là, c'était de montrer aux utilisateurs, par exemple, le fait que si je partageais mon lien avec un client, je pouvais lui demander de sélectionner, par exemple, une zone sur l'image. Voilà, hop, il va me faire un commentaire ici. Et c'est ma zone avec Julien Tabé, par exemple. Je valide le commentaire. Et ça me permettrait de partager, d'avoir des retours d'un client. Mais donc ça, ils ont découvert, ils trouvaient que ça était assez pratique. Génial. Et ce qu'il y avait en plus, c'était le montage. C'est-à-dire que là, sur le côté, donc là, vous avez les commentaires, vous avez éventuellement les infos, mais vous avez aussi le montage et qui est un historique, en fait. C'est-à-dire que j'ai mon image de départ, j'ai mes différentes versions dessus, j'ai les différents éléments qui ont été rajoutés, qui ont été enregistrés ou non. À tout moment, je peux revenir dessus et lui demander de rétablir une version particulière. Donc ça peut être un truc qui pourrait vous intéresser, en tout cas pour du pro, sur le suivi. Hyperlite nous demande quel choix de support pour les impressions. Quel choix de support pour les impressions, c'est du papier mat, 300 grammes, un truc vraiment quali pour vraiment du tirage artistique, du tirage digital, impression digitale, donc ouais. La signature avec certificat d'authenticité, non, pas encore. mais sur mon site, je vends vraiment que des petits formats, enfin c'est du 30 cm par 30 cm. D'accord. Parce que vraiment pour des questions logistiques, c'est très compliqué d'imprimer sur des toiles, d'envoyer des très grands formats. Et donc pour ça, je passe par un autre site avec qui je travaille, qui s'occupe de tout ça. D'accord. C'est beaucoup plus simple pour moi, mais donc voilà. Alors Christoune, tu as effectivement manqué l'info, tu travailles bien à partir de banques d'images. Ouais. Pas en lien avec des photographes directement. Non. Et pas avec tes propres photos non plus. Non, ça m'est arrivé une ou deux fois de rentrer en contact avec un photographe qui m'envoie ses images et si tu les utilises, pourquoi pas. Et ouais. Mais c'est beaucoup d'Adobe Stock généralement que j'utilise. Très bien. Une collection en particulier ou vraiment recherche en animalier? Non, c'est vraiment animalier. Je me perds un peu. Je passe pas mal de temps là-dessus. Alors, passer pas mal de temps, est-ce que ça te dit qu'on passe sur ton écran? Ouais, pas de soucis. Pour regarder un petit peu comment tu marches, j'ai vu que c'était la grande demande. Hop, on va migrer chez toi, on reste en petit dans un coin. Donc là, c'est ton Photoshop. Ouais. Dernière version, toujours à jour. C'est ça, ouais. Je sais pas, je suis encore à l'aise avec toutes les nouveautés, mais... Ah, tiens, ma souris. La souris est redébranchée, si elle revit. Alors, est-ce qu'il faut qu'on lui mette un magazine en dessous? Parce que le fond noir, elle aimait pas trop. Par laquelle tu veux qu'on commence, qu'on voit ce genre de préparer 5 où j'ai un peu... On peut faire un vote du public, ce sont les 5 tout en haut. Ouais. Donc on a le Impala, Orignal, comment tu l'appelles celui-là? Le premier c'est un Oryx. Un Oryx, pardon. Est-ce que c'est en anglais? Non, je sais pas. Oryx, ouais, non, en français on l'a Oryx. Aussi. L'orque, le tigre, le... La hyène. Ah oui, non, c'est la hyène dessous, je regardais ce qu'il y avait au-dessus et j'arrivais pas à l'identifier. Et le dernier, ça va être le renard. Donc il faut que vous choisissiez les uns les autres. Je vais vous partager le lien. Du coup, donc ouais, là, c'était tes dernières images, dernier rendu là-dessus. Voté. En fait, cette année, en tout cas, c'est 5 images. Oryx, orque, tigre, hyène, renard. Vous pouvez choisir avec ou sans pattes. Vous pouvez choisir. Ah oui, non, pardon, je suis pas sur le bon chat. C'est pas très malin. Quand. Et si je suis sur le chat de la session précédente, je ne peux plus écrire.
Voilà. TMPX me dit, tu devrais essayer les impressions sur du D-Bond, tu seras surpris dans le bon sens. Donc le D-Bond, c'est des plaques de métal. Ouais. C'est vraiment cool, par contre, c'est impossible à transporter. Ah, c'est ça. Justement, sur le deuxième site, Dark Group, avec qui je travaille, ils proposent des impressions sur métal, sur toile, des impressions encadrées aussi. Mais c'est vrai que je sais pas comment. À quoi ressembleraient tous mes visuels sur du métal. J'ai déjà reçu une impression, je vois un peu à quoi. Ça ressemble, mais je serais intéressé de savoir. Ouais. De pouvoir tester grandeur nature. Ouais. Donc, mais si. Attends, si tu dis que le site avec lequel tu travailles propose ça, si jamais vous êtes client de Julien Tabé sur ce site-là, et que vous avez une impression métal pas trop loin de Rennes, vous faites signe. C'est vrai que c'est très récent que j'ai mis en place le site, du coup, j'ai quelques commandes, mais c'est pas encore arrivé chez les gens. Donc... Alors, on a pour l'instant 2 votes sur le renard, un oryx, un tigre. 3 renards. Le renard, c'est un chien actuellement. C'est ma faute. Mais il a une tête. C'est ma faute, j'ai écrit renard. Allez, vas-y, lance le chien. Parce que je pense que le vote va avancer doucement, mais qu'il a un grand succès. C'est une de mes dernières. Ouais. C'est effectivement ça. Voir. Ma souris veut vraiment pas. On va utiliser le stylet. Pas tout faire ça. Peut-être qu'elle n'a pas apprécié là, le lieu, l'espace. Alors, ouais, j'ai tous les aimants qui sont un peu décomposés. Mon renard, où est-ce qu'il est? En général, il est en bas. C'est un chien, j'avais oublié. Je cherchais le mot renard, mais c'est le chien que j'ai. C'est ça. Donc là, tu vois, on a l'original, donc c'est parti de ça, à la base. D'accord. Il a perdu la queue au passage. Ouais. Mais je pense que c'est la queue en mode toboggan de flotte qui me fait penser à un renard. C'est ça, non mais totalement, vu qu'on perd un peu l'arrière de l'animal, et il a une tête qui ressemble, et une fourrure qui ressemble beaucoup au renard, on peut confondre. Donc ouais, en gros, je suis parti donc de l'image de base, que je suis venu détourer. Alors généralement, j'aime beaucoup travailler moi à la plume quand je détoure. D'accord. Parce que j'aime bien un peu m'attacher aux détails, et après derrière je viens un peu avec soit des brushes, soit directement au pinceau à la main, revenir un peu sur tous les poils, sur tous les petits détails. Oui, parce que ça doit faire du boulot. Je pense que la plume pour les objets, moi je l'utilisais surtout pour les objets lisses, mécaniques, et sur toute la partie poils, est-ce que tu mixes du coup les deux, un max pixel, un masque vectoriel, ou tu vas pas jusque là? Non, c'est vrai. Souvent, donc je détourne mon animal, j'en fais un masque, et sur ce masque, je viens un peu redessiner tous les poils, etc. Je sais pas, c'est mon petit quart d'heure détente, j'aime bien faire ça. Ça te permet de commencer à t'approprier l'image. C'est ça, mais sinon, ce qui est super, c'est, tu connais évidemment, l'outil sélection sujet. Ouais. Tu peux venir directement, donc Photoshop va venir, il va comprendre le sujet principal de l'image, il va venir te faire un détourage. Et moi, vu comme je te disais, souvent j'ai 90% des idées qui partent à la poubelle. Donc souvent je commence à travailler sur des bases d'images. Je prends l'image, je fais une sélection très rapide. Je peux montrer un peu comment ça marche. Vas-y. Là, imaginons, on n'a pas la sélection sur le renard. Donc on va sur l'image, on va dans sélection, on fait sujet. Donc là, il va réfléchir un petit peu. Et donc voilà, il est venu me détourer. Vraiment, directement le chien, il a reconnu les formes. Donc voilà, comme on peut voir ici, il y a forcément quelques petits défauts ici, il n'a pas reconnu que c'était le sol. Et j'aime beaucoup quand je fais mes débuts de recherche, me servir de cet outil-là, parce que vraiment c'est un gros gain de temps, et ça me permet de ne pas avoir à me focaliser sur la retouche. Ouais, plus que focaliser sur l'idée en général que sur le process en lui-même qui est beaucoup plus long. Ouais, c'est intéressant justement de pouvoir avoir un cas pratique sur ça. D'avoir vraiment quelqu'un qui va tester les contenus et qui va avoir ça. Alors, si on peut tout recommencer dès le début, mon visuel, comment il se crée. Alors. Et ça fait effectivement beaucoup de monde, beaucoup de petits contenus. C'est ça, là, on a 150 calques sur ce visuel. Ça fait un paquet, hein. Ouais. Et du coup, est-ce que tu avais vu la sélection par la sélection du sujet par objet? J'ai découvert ça sur le dernier live que tu as fait. donc là tout à l'heure. Stupéfait. Ouais, parce que pour non, ceux que tu as fait la semaine dernière. Ah, la semaine dernière, c'est vrai que j'avais déjà présenté parce que j'avais trouvé que c'était cool. Et j'étais stupéfait. Tu l'avais pas vu passer du tout. Non, absolument pas.
Du coup, ouais, par exemple, ici, hop, si vous avez plusieurs objets sur la page, vous pouvez en sélectionner un. Et il va essayer d'analyser justement ce que vous avez dans la sélection. Et je trouve ça effectivement assez cool et que ça fait gagner pas mal de temps. Mais j'avais pas imaginé que pour quelqu'un qui allait finir en retouche derrière, t'allais souhaiter utiliser ça. Donc ça, c'était la sélection du sujet. Vous regarderez la session d'avion. J'ai fait plein de détails là-dessus. Pratique cette manip. Bah oui, ça va lui plaire. Donc ouais, généralement, quand je commence, je pars souvent de mon animal. De l'image que je trouve. Après, ça dépend. Des fois, c'est une composition de deux images qui viennent se combiner pour créer l'animal. Parce que soit, forcément, j'aimais pas la perspective, soit j'aimais pas une certaine forme de son corps, etc. Mais après, ça arrive souvent que par la suite, je déforme énormément cet animal à l'aide de plusieurs outils. Donc, ouais, je commence généralement par ma sélection de l'animal. Et assez rapidement, j'essaye de l'intégrer au décor. Moi, je sais pas pourquoi, mais une très grosse motivation que j'ai, c'est de faire très vite les ombres. Ou plus ou moins faire un brouillon des ombres. Ouais. Parce que ça me donne tout de suite une idée de réalisme. Et je me dis, ok, mon idée, elle peut marcher. Elle sera crédible, elle sera cohérente. Elle sera crédible. Ouais. Donc là, tu as mon arrière-plan. Alors lui, mon arrière-plan, comment il est composé? Donc on a les montagnes, le sol. Donc de quoi je suis parti? Donc je suis parti de cette image à la base. D'accord. Donc en fait... on a cette image et en gros, comme on peut voir sur le... Faut que je fasse ça mieux. Windows. Comment j'ai fait ça? Pourquoi il apparaît pas? Quelque chose que désactiver. Ouais. Et voilà, c'est ça. Donc en gros, donc ça c'est plutôt là mon image de base. D'accord. Et en gros, il me manquait de la texture pour faire le premier plan. Et donc ce que je fais parfois pour ça, donc tout simplement je viens reprendre mon image, hop, je la duplique, je viens un peu l'agrandir pour essayer un peu de choper une texture assez similaire, tu vois. Bon, évidemment la qualité des pixels sera pas la même vu que on vient déformer l'image et que on l'étire un petit peu, mais là étant donné que je travaille avec des images qui sont vraiment de très bonne qualité de base, c'est pas quelque chose de très embêtant. Et donc par derrière, donc je viens masquer mon image. Et je viens redessiner un peu par-dessus pour essayer donc de retrouver ce sol et retrouver de la texture. Et néanmoins, ce qui est super important quand on fait ça, c'est qu'étant donné que je suis parti d'une image que j'ai un peu dupliquée pour créer de la texture, c'est qu'on va trouver des formes qui se répètent, comme par exemple, vous pouvez voir ici, tu as ma bosse au premier plan qui est exactement la même que celle derrière. Et donc à ça, je viens un peu ajouter soit de l'effet tampon, je suis très fan de l'effet tampon, on vient un peu... du coup effacer les similarités qui sont évidentes sur le visuel pour éviter que ce soit trop attirant pour l'œil, on va dire. Ouais, que l'œil se bloque sur cet élément-là. Ouais, voilà. Ça, on a toujours ce truc-là dans les recherches sur les images Photoshop. Ouais. C'est ton œil est instinctivement, naturellement capable de voir des choses en double, enfin d'identifier les choses en double parce que ça nous permettait de survivre dans la jungle. Il y a longtemps. On s'est habitué à ça. Et de voir aussi les tableaux pas droits. Ouais. Du coup, voilà, donc comment c'est créer mon fond. Après, donc, hop, on va remettre tous les calques. Donc voilà, après, par-dessus ça, je suis venu un peu éclairer, adoucir un peu les couleurs du fond. Et je suis venu intégrer mon propre ciel. J'aime bien faire mon ciel, généralement. Je suis pas très à l'aise avec... j'aime bien avoir un ciel qui est très similaire sur tous mes visuels. D'accord. Et généralement, je fais quelque chose d'assez basique. Donc, je pars sur un bleu, généralement. Souvent, je pars sur un bleu très clair. Et donc, par-dessus, après, je viens créer du dégradé. D'accord. Je travaille principalement, en gros, avec des couleurs unies. Donc, en gros, c'est des aplats de couleurs. Donc là, par exemple, si je veux un peu créer un dégradé d'un bleu un petit peu plus foncé dans mon visuel, donc je viens prendre un autre bleu, et ensuite, sur le masque de ce calque, je viens prendre l'outil dégradé. D'accord. Que je viens appliquer directement. Hop. Voilà, ce qui me permet d'avoir mes différentes nuances de bleu.
et pour créer un peu voilà, cette idée de... De profondeur, ouais, c'est ça. Mais sans se compliquer la vie. C'est ça, sans forcément se compliquer la vie. Et une astuce que je trouve super intéressante, en fait, ce qui se passe quand on fait des dégradés sur des couleurs unies comme ça, c'est qu'après, à l'impression, on peut avoir des espèces de... Du fait de dégrader, des espèces de strates, ouais. Des espèces de traits. Des effets de bonding. Et donc du coup, il y a des astuces pour un peu parer ça, pour éviter d'avoir des soucis à l'impression. Mm-hmm. C'est donc tu viens prendre ton masque, okay. Et tu viens en fait simplement lui ajouter du bruit. Mm-hmm. Moi, généralement, je le mets quelque chose comme 3 ou 4, qui n'est pas trop violent. Mm-hmm. Et ce qui te permet dans le rendu final donc de ne pas avoir cet effet de strates, ouais. Mais vraiment juste le grain. Qui vient plus adoucir la transition. Ah, super. Ouais, ça, je pense que c'est un truc qui va bien plaire et qui va bien vous intéresser. Bah, je sais que ça m'est arrivé souvent d'avoir cette galère d'imprimer et de me rendre compte que j'ai des traits dans mon ciel et je comprends pas forcément d'où ça vient. Et depuis qu'on m'a expliqué ça, je. Tu revis. C'est ça. Alors après, dans les solutions aussi, la question, c'est justement la définition en termes de quantité de couleurs par pixel. Du coup, si tu es sur du 8 bits, tu as moins de choix, ouais, de dégrader. Du coup, faut pas hésiter à passer effectivement sur du 16 bits, voire du 32 pour certains, mm-hmm. Sur les dégradés subtils pour pouvoir limiter justement cette quantité de bruit. Ouais, ouais. Mm-hmm. Mais le bruit, c'est une très bonne solution. Et donc, hop. Et donc, ouais, donc, comme tu as pu voir, j'ai une colorimétrie qui est souvent assez similaire. Mm-hmm. Moi, ce que j'ai généralement en base de mes images, j'ai toujours une correspondance de couleurs. D'accord. Avec le filtre que j'aime beaucoup qui est Two Strip. Je crois que c'est ça, Two Strip Look, quelque chose comme ça. Et du en coup, gros. Two Strip, c'est pas un LUT que toi t'as monté, non. Directement. C'est un que tu. Bah, donc, à l'époque, quand j'avais commencé, vraiment, je connaissais pas vraiment tout ce qu'on pouvait faire sur Photoshop et je suis parti là-dessus. Mais en fait, à ce Two Strip, donc, je lui ajoute. Souvent, je le mets à 90%. Mmh. Je trouve que ça atténue déjà beaucoup et en fait ça permet de laisser rentrer les verts, les jaunes, tout en laissant quand même une ambiance assez globale. Être capable de laisser remonter la couleur originale des visuels. Et du coup beaucoup de gens me demandent justement comment je fais pour avoir cette cohérence dans tous mes visuels. Mmh. Et c'est en grande partie grâce à ça, c'est pas vraiment tricher, mais c'est vraiment quelque chose qui me permet donc d'avoir quelque chose de très cohérent sans forcément avoir à me prendre la tête trop longtemps sur les couleurs. D'accord. Mais super. Derrière, je viens quand même utiliser des... Un outil que j'aime énormément, c'est la correction sélective. Ouais. Et en gros, donc généralement, j'aime bien accentuer mes rouges et mes jaunes pour qu'ils vraiment ils attrapent ce côté rosé que j'aime bien. Et donc, correction sélective, simplement, tu viens choisir un petit peu la gamme de couleurs que tu as envie de changer. Généralement, c'est les jaunes, et je viens ajouter un peu de magenta et on voit un peu la différence. Mm. C'est bien s'accentuer. Je mets un peu de jaune aussi, généralement. Après, bon, voilà, c'est des choses qui se font à tâtons en fonction de... Ouais, chaque image, chaque fond, c'est parce ça, que tu vas pas avoir toujours, la même chose sur un désert. C'est très différent. Et donc ouais, voilà, c'est vraiment un outil que j'affectionne énormément. Pareil pour mes ciels, des fois à la fin je les traite un peu, je trouve qu'il est trop bleu, j'aimerais bien qu'il soit un peu plus clair, des fois il est trop Pepsi, il est trop de Peps. Si c'est une marque. Ça peut arriver, ça pourrait, les marques deviennent des noms communs. Tout à fait. Tu viens de photoshopper ton image, il n'y a aucun problème. Donc ouais, la correction sélective, ouais, j'adore, c'est vraiment l'outil que j'utilise le plus, je pense, dans mes retouches. Et pour rester un petit peu dans la correction de couleur, ce que j'utilise beaucoup aussi, c'est les niveaux. Ouais. Et en fait, j'aime beaucoup avoir dans le rendu final de mon image, je pense, quelque chose que je viens traiter plutôt à la fin. J'essaye un peu d'attraper les noirs, si tu veux. Mm-hmm. Soit j'essaye de... Donc quand on est là et qu'on appuie sur Alt et qu'on vient chercher la petite flèche, on arrive à voir ce qui s'affiche en noir, c'est vraiment les points qui sont les plus sombres de mon visuel, qui sont vraiment du noir. Et qui deviendront du noir à la fin. Du coup, on sait que cette zone-là, il y aura plus de matière. Et du coup, j'essaie vraiment d'avoir un peu de noir, mm-hmm. et à la même manière, un peu de blanc. Un peu de blanc dessus. Bon, là, pour le coup, c'est pas très représentatif, vu que l'image n'est pas terminée. Que... Ouais, là, ça se base vraiment sur ce qu'il y a d'actif sur l'écran. Mmh. Mais du coup, c'est pour ça que généralement je fais ça un peu à la fin. Plutôt sur une étape finale de nettoyage de l'image. On pourra revenir là-dessus. Vous plantez pas les uns les autres, ceux qui découvriraient. Quand on fait une impression comme ça, quand on est en train de travailler sur beaucoup de noir, beaucoup de blanc avec les niveaux, il peut aussi y avoir la question justement de ce qu'on appelle cramer l'image ou sous-exposer l'image sur une zone. Vous n'allez pas le voir sur l'écran.
parce que votre écran vous permet d'avoir juste cette zone un peu plus sombre et c'est pas grave. Par contre, sur certaines impressions, dès qu'il y a un peu de relief, on va s'en rendre compte. Moi, je sais que par exemple, sur les blancs, très blancs, si tu fais toute une zone en aplat de blanc, ça va peut-être passer sur l'écran sans aucun souci. Mais dès que tu vas mettre de l'encre, bah, l'encre à un moment va avoir du relief et du coup, on avait tendance sur la chaîne graphique à se dire il faut jamais que mes blancs soient 100% blancs sur un aplat. Tu peux l'avoir sur des scintillements, mais faire très attention à ça. Et pareil pour les noirs qui pourraient justement tartiner. Et c'est vraiment tartiner parce qu'on a l'impression que tu as une couche d'encre, une grasse qui va venir. D'accord. C'est le petit. Le pourquoi justement, parce que tu as réussi à très bien le ressentir sur la partie niveau. Je profite, je sais que t'as plein de gens qui te suivent et qui vont regarder ça. Du coup, donc là, pour le coup, mon niveau est peut-être un peu fort, tu vois. Bon, je pense qu'on va l'enlever et je reviendrai dessus à la fin, c'est ce que je fais généralement. Et donc là, j'ai intégré donc mon animal. Et en fait, comment j'ai modifié la queue de cet animal? Je pense que je devrais peut-être importer le final pour qu'on se voit à chaque fois, pour se rendre compte. Ce serait plus intéressant. Comment je l'avais appelé celui-là? Ouais, je donne des noms un peu aléatoires des fois, difficiles. Voilà, là on a le final. Final. Voilà. Ça c'est le final là où on en est. Donc tu vois, un peu pour faire cette queue, un peu créer cette courbe. Donc là c'est quasiment que du dessin. Et auquel je suis venu intégrer de la texture. Il y a quelqu'un juste là. Alors, je sais pas pourquoi tous mes calques sont désactivés, j'ai dû faire un truc manip. En fait, quand t'as fait un. J'ai fait Alt et j'ai cliqué ailleurs. C'est une erreur de ma part. C'est parce que t'as pas voulu apprécier à leur juste valeur les compositions calques. C'est la punition. C'est ça. Donc là, on va. Il y a de base. Où est-ce que je vais retrouver l'autre du coup? Juste là. Mais du coup, c'est un peu bordel vu que j'ai pas. Alors, t'as aussi le droit de réouvrir ton. Ouais, je pense que je vais faire ça parce que. Non, attends, annule. Va dans le menu fichier. Version précédente. Ah oui. Et normalement, si t'as pas sauvegardé. Non, je vais pas sauvegarder. C'est état dramatique. finalement, j'ai plus du tout ça. Il devrait te rouvrir directement l'image. Parfait. Alors, je te propose un truc. Ouvre les compositions de calque. Menu fenêtre. Et composition de calque, et tu vas faire une nouvelle compo de calque, petit plus, on va appeler origine, enfin final. Et il va garder en fait tous les états d'ouverture et de fermeture, et tu es sûr de pouvoir revenir dessus. Ça t'évitera de te rater. C'est vrai qu'on en parlait, du coup, je découvre à peine cet outil, mais c'est vrai que je suis pas encore super à l'aise avec, mais j'ai découvert que c'était vraiment quelque chose qui pouvait m'aider. Je sais que c'est pas l'outil le plus fashion de Photoshop, mais je le trouve tellement, tellement pratique. Hop. Donc voilà, un peu plus ou moins où on en est. Et donc, ouais, en gros, comment s'est construit la queue, donc vraiment. Alors. Il faut quand même le retrouver, c'est pas drôle. S'il n'y a pas un peu de challenge. Donc tu vois, en gros. Donc en gros, ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment dessiné à la plume. Donc voilà. C'est ce que ça m'a pris. Souvent, ça a beaucoup évolué au fil du temps, cette forme. Donc c'est quelque chose que je dessine sur ma tablette graphique. Et par-dessus, donc j'ai rajouté. Matière. J'ai pas mal sur mon ordi de textures que j'ai acheté, d'animaux, de fourrures, plein de choses de genre. Et donc moi derrière je viens ajouter de la matière auquel donc je viens recréer un peu la perspective de l'animal. Mais ouais, c'est genre là par exemple on a une composition, on doit avoir 6 morceaux de matière différents. Pour pouvoir gérer justement le tour, pour pouvoir gérer l'arrondi. C'est aussi cette idée qu'il faut avoir l'idée de réalisme, ou se dire plus c'est proche de moi, plus on va voir la texture, plus c'est loin, plus ça va être. Voilà. Ouais, ça c'est chouette. Donc par-dessus ça, donc je suis venu rajouter un petit peu cette espèce de cascade, je sais pas trop comment l'appeler, une espèce de rivière. C'est vrai que ce fichier, c'est pas le meilleur à présenter parce qu'il a vraiment beaucoup d'éléments. C'est le vote du public. Hein. Comme je te disais, il y a 550 calques sur celui-ci, donc c'est vrai que c'est pas... Alors, comment je l'ai construit?
Élément par élément, justement, on peut revoir les... Ouais, après, c'est intéressant de voir la complexité un peu de la création, de voir que c'est... On ne se rend pas forcément compte de tout ce qu'il y a derrière une simple rivière. J'ai plein de groupes différents. Pas mal de mélanges, et à chaque fois, de toute façon, toujours en non destructif, avec des calques, des masques. Ouais, totalement. Totalement, j'essaie de jamais détruire. J'ai commencé comme ça, en vraiment, où je faisais un peu... à la barbare, mes visuels, où je gommais par-dessus, je pouvais jamais retrouver l'original, je dégradais l'image. C'est ça que j'ai appris avec le temps, à utiliser les masques, à éviter de trop pixeliser mes images. Ouais. Ce que je dis régulièrement maintenant en formation, c'est effectivement que quand vous avez une idée, et c'est exactement l'exemple que tu utilisais tout à l'heure en disant je fais de la sélection rapide, de la sélection du sujet, parce qu'il me le fait et je peux me focaliser sur l'idée, pas hésiter à faire une version rough, une version brutale de votre image, avec 2-3 images, avec 2-3 photos mélangées, le masque dessus, quitte à revenir plus tard, affiner votre masque directement. Totalement. Comme je te disais tout à l'heure, ce qui peut être intéressant, c'est un peu montrer comment, en gros, si tu veux, l'idée de base pour celui-ci, par exemple, c'était ça. Donc j'avais mon chien, je l'avais déjà un peu plus ou moins intégré dans le décor, et j'avais, ça c'est quelque chose que j'ai fait vraiment en 2 minutes, où j'avais déjà cette idée. D'accord. J'allais faire une espèce de continuité avec sa queue et créer une espèce de petite oasis. Et donc ouais, j'adore enregistrer le développement de l'idée. Mm-hmm. Où là, donc on voit, j'ai eu l'idée de pourquoi pas je rajouter un oiseau. Après, donc là, j'ai commencé à créer vraiment mon volume, on va dire. Ouais. C'est vraiment quelque chose que je fais beaucoup dans mes visuels, c'est essayer d'apporter du volume. Ouais. C'est vrai que c'est une partie qui me prend beaucoup de temps, d'essayer de comprendre l'espace de l'image, comment ça se compose, quels sont les premiers plans, les arrière-plans, comment les ombres vont être gérées derrière. Mm-hmm. Je suis venu dessiner un peu ma rivière, dès que j'ai commencé à mettre quelques palmiers, j'ai cherché plusieurs compositions pour mes palmiers, je recadre. Et comme je te disais aussi, j'aime beaucoup, bon là c'est vraiment fait en début, mais j'aime vraiment ajouter mes ombres parce que ça me donne vraiment l'idée un peu de ce que ça va donner au final, les lumières qui aident beaucoup à se projeter dans le final, je trouve. Ouais, et à comprendre le. donner vraiment ce réalisme qui est important, enfin réalisme pour une rivière infinie, réalisme dans une certaine mesure. Du coup, comme je te disais aussi, je passe beaucoup de temps sur mes visuels, mais pas dans la même journée forcément. Ouais. Ça peut me prendre 2, 3, 4 jours. Et pourquoi ? Parce que généralement, par exemple, tu vois, je me souviens cette image, j'ai dû m'arrêter quelque part par là un jour, et je me suis dit, ok, je sens que je suis pas loin de la fin, je sens que je touche un truc. Et le lendemain, je suis revenu, j'ai eu une toute autre vision sur mon image, et je me suis dit, ok, il manque quelque chose, tu vois, il faudrait peut-être un peu plus de volume, de texture dans ma rivière. D'accord. Après, je suis revenu un cadre plus tard, je me suis dit, ok, il manque des ombres ici. Je trouve que c'est super important de prendre du recul, de revenir plus tard. Et c'est pour ça aussi que j'adore donc enregistrer étape par étape tout ce que je fais, parce que je me rends compte qu'à chaque fois, je peux aller plus loin. Et que malgré... On peut toujours aller plus loin. On peut toujours aller plus loin. Il y a un moment, il faut s'arrêter. Et justement, cette question-là, elle viendra peut-être après. C'est à quel moment tu sais que tu es arrivé au bout de ton image. À quel moment tu... la deadline du moment où tu postes le dimanche. Ça. Pour moi, c'est ça. C'est que je sais que je peux toujours aller plus loin. Et puis même à chaque fois, je me dis, je vais partir sur une idée. C'est assez simple. Cette fois, ça va me prendre 3-4 heures. Et à chaque fois, je m'emporte, je me dis, je pourrais ajouter ça, un peu plus de volume ici. Et pour moi, ma deadline, c'est vraiment me fixer l'objectif de poster une fois par semaine et de créer un visuel par semaine. Et je me dis, ok, là, il est temps que tu arrêtes. Tu es déjà assez satisfait de ce que tu as fait. C'est déjà pas mal. Donc voilà. Donc, ouais, quasiment tous les éléments qu'on va retrouver. C'est beaucoup de dessins dans lesquels je viens rajouter de la texture. D'accord. Après, par exemple, j'avais rajouté une petite spirale pour l'eau. Cette spirale, ça vient tout simplement d'une image sur internet. J'ai tapé spirale. Mm-hmm. J'avoue que j'avais pas la qualité nécessaire pour créer ma propre spirale. Je suis sûr qu'il y a des outils adéquats. Mm-hmm. Mais où est-ce qu'on va la trouver ? Alors, il y a Nicolas qui trouve que c'est trop beau ce genre de taf, que c'est rare et que c'est plein de poésie. Merci beaucoup Nicolas. Donc voilà, basiquement c'est une spirale que je suis allé choper, une forme que je fais sur internet. J'ai repris cette forme, je l'ai sélectionnée, et de par cette sélection, du coup je l'ai appliquée en tant que masque sur mes calques.
pour simplifier un peu mon travail. C'est vrai que ce visuel n'est pas le plus simple à présenter. Tu te rends compte qu'il y a plein de cas, de niveaux, plein de sous-niveaux et de rattrapages. Ouais, c'est ça qui est très dur en fait, avec le fait que je joue beaucoup avec les volumes, c'est que, par exemple, tu vois, cette ombre de ce palmier, elle vient passer derrière, on la voit un petit peu ici, elle vient elle passer ici, elle passe dans l'eau, et par contre, elle va passer plus loin. Où est-ce qu'elle est? Voilà. Ouais. Donc ouais, c'est vraiment, je trouve que c'est le jeu des lumières, ça reste quelque chose, c'est quelque chose que je fais à la fin, mais c'est la partie la plus longue, je pense, honnêtement. Déjà essayer de comprendre d'où vient la lumière dans l'image, parce que du coup la difficulté que j'ai avec de travailler avec des stocks qui sont pas les miens, c'est que je choisis pas forcément la lumière. Tu choisis pas la lumière, néanmoins je choisis souvent l'image pour sa lumière, en grande partie parce que je trouve que l'angle est intéressant, parce que elle est bien, elle match plutôt bien avec ce que j'ai envie de faire. Mais par exemple, cette image, il fallait essayer de comprendre que la lumière venait vraiment plutôt du nord-ouest, et retrouver un peu la distance naturelle, on va dire, par exemple ce palmier, faire en sorte que sa distance, le bout de son ombre soit au bon endroit. Et pour ça, c'est beaucoup de tâtonnement, je trouve que c'est assez inconscient, c'est quelque chose qu'avec le temps on adopte. T'arrives à. Par exemple, assez rapidement, tu vois, je suis allé voir que mon oreille ici, elle venait donner de l'ombre ici. D'accord. Donc j'ai compris un peu que si toi, celle-ci devait avoir un peu le même angle pour ce palmier, que ça devait arriver un petit peu au bout ici. Et ouais, c'est une partie qui prend beaucoup de temps à comprendre l'image sur laquelle je travaille. Pour après faire quelque chose d'assez réaliste. Et ouais, je pense qu'on va passer sur une autre image, parce que celle-ci est assez difficile à décomposer, je dois l'avouer. Alors, il nous reste 4 images au choix, donc pour les uns les autres. Attention, vous n'êtes pas obligé de choisir la plus complexe. Là, on vient de regarder le chien-renard, il faut voter, et donc voter pour la suite. Oryx, orc, tigre ou hyène. Cette fois-ci, j'ai bon sur le nom des animaux, on est d'accord. Hein, tout va bien aller. Alors j'ai vu aussi dans les questions des gens qui m'ont dit c'est bien cette histoire de récupération des calques et donc de composition de calques. L'outil donc c'est composition de calques, et je vous ai mis un petit sujet sur la session précédente où vous pourrez retrouver non seulement les compos de calques et comment ça marche, mais aussi la grosse nouveauté qui est le fait qu'on va pouvoir imbriquer des compos de calques et les appeler dans d'autres compos de calques. C'est un peu spécial, mais... Là, ce sera plus clair en regardant le lien de la vidéo que je vous ai passé. Et j'ai remis à jour le sujet. Donc on a un Oryx plus un, ça fait deux Oryx. Écoutez, je pense qu'on va pas s'embêter, je pense qu'on va ouvrir l'Oryx. On va partir là-dessus. Ouais. Si jamais soudain on a une armée d'orques qui se lève, on verra ce qu'on fait. Oui, son tour viendra. Mais l'Oryx sera plus simple à décomposer. En plus, hein, tu vois. Finalement, on s'en sort pas mal. Ça dépend de la gamme d'or, si c'est des orokaïs, si c'est... Alors... fermer tout ça. On va voir un peu un par un. Tu n'as pas fait de compos de calque de nouveaux documents, si? Ah si, non. Il l'a fait tout ça? Je sais pas, ouais. C'est toi qui l'as fait? Non. Tu cliques dessus pour voir. Il a fait trop seul. Bien. Ok. Encore mieux. Du coup, il est en train de faire un rendu sur quoi là ? Dernier état du document, donc normalement c'était ton étape juste avant. Et non, c'est le même. Tant pis. Donc pas hésiter, ouais, moi c'est ce que je fais régulièrement sur les compos de calques pour faire des avant-après. C'est de se demander comment et dans quel sens on va afficher afficher les images. Alors, donc l'image de base qu'on avait, elle est même pas ici, elle est ici il me semble. Ouais, en gros l'image de base c'était ça. Ouais. En gros, je suis venu tout simplement
tu peux le faire. Je vais montrer un peu. Râle un petit peu. Il est en train de faire en même temps que ce que tu es en train de. T'es en train de travailler, lui en parallèle, il est en train de diffuser son flux HDMI. Donc je viens de détourer, c'est super important, c'est souvent de détourer vraiment, essayer de détourer à l'intérieur. C'est plus facile par la suite à rattraper et on va pas avoir de surprise après à se retrouver avec des éléments extérieurs qui vont un peu tromper l'œil. Donc là l'idée c'était vraiment, donc j'avais deux oreilles sur mon visuel et je voulais vraiment en prendre un plus que l'autre. Donc je suis venu détourer. Pas besoin d'être très précis sur tout, je vais juste faire les parties où je vais avoir besoin de faire du tampon derrière pour effacer celui que. Bon, là, pour le coup, j'ai pas besoin d'être très précis. Ça, par exemple, souvent je fais des sections assez globales et comme je te disais, derrière je viens un peu. Derrière, tu vas gommer, tu vas récupérer ça. Je viens faire ça bien. Enfin, gommer, tu vas récupérer le. Oui. Hop. Bon, la sélection sera pas parfaite, mais c'est pour montrer. Pas perdre trop de temps là-dessus. Et Baptiste qui se réveille en réclamant les yens. J'espère qu'il a fait la vaisselle, je sais pas. C'est son tour, je pense. Hop, ok, donc là. J'ai vraiment sélectionné cette partie. Vraiment l'arrière, ouais. Hop. Généralement, j'ajoute un petit contour progressif, un petit 0,2, un 0,3, quelque chose d'assez léger, mais pour pas que ma sélection soit trop. Trop nette. Hein. Ouais, soit trop nette. Hop. Donc voilà, je vais inverser ma sélection. Donc je récupère mon Oryx. Et derrière, je reviens là-dessus. Donc je repars sur ma base. Donc en gros. J'ai cette sélection qui est devant, et en gros, ce qui me permet, entre ces deux calques, de pouvoir venir ajouter mon pinceau ou... D'accord. Et comme ça, pouvoir reconstruire la partie graphique de l'image, donc les deux corps en V. Ce que je fais aussi des fois, donc par exemple, là, je vais reprendre mon arrière-plan, je le cale, je fais une duplication, je le cale entre les deux, et tu vois, je viens comme ça, et déjà, là, j'ai énormément de textures qui vient. Par exemple, je trouve que c'est une assez bonne base pour travailler. Là, on voit qu'il y a une cassure qui est assez nette. Ce que je peux faire, c'est revenir sur mon masque. Et voilà pour le coup. On veut plus. Donc, tu vas revenir redonner un peu. Enlever cette ligne qu'on avait, plus donner quelque chose d'assez flou. Et après, par la suite, donc, je vais venir évidemment rejouer sur les lumières, tout ça, pour que tout soit assez cohérent. Et donc là, après, j'ai une étape où je fais un peu de tampon. Par exemple, si je veux avoir cette idée ici entre les deux, de pas avoir cette cassure de couleur, vraiment plus l'idée de dégradé. Tu vas pouvoir réattaquer. Je vais venir prendre un peu de texture ici, qui est assez claire. Je mets mon tampon sur un petit, on va dire un petit 20%. Ça va venir sans trop ajouter de texture. Ça ajoute un peu de texture, mais tu vois, ça va m'ajouter, ça va me créer cette transition de couleur qui sera pas trop désagréable à l'œil. D'accord. Et donc là, comme je te disais tout à l'heure, tu vois, on a des répétitions qui sont assez évidentes. Ici, on a le petit caillou qu'on va retrouver trois fois dans l'image au final. Et donc, j'essaye avec un peu plus de précision de venir effacer toutes ces imperfections pour que justement cette idée que. Le fond soit une seule image et donc et qu'on puisse pas reconnaître que j'ai triché. Je pense que si les gens regardent ton Instagram, ils vont se douter que t'as triché quelque part. Tu sais que des fois je retrouve sur internet des gens assez qui des genre des sites qui partagent soit des nouveautés animalières, enfin des choses sur l'animal en général. Et sur le monde qui viennent dire regarder les nouvelles espèces qu'on a découvert et des fois bah, je me fais allumer parce que des gens viennent
sont redirigés sur ma page et disent mais c'est quoi ces fake news, c'est scandaleux, tu triches, c'est Photoshop. Bon, ça arrive très rarement, mais t'as pas encore un gros logo genre fait avec Photoshop, arrêtez de poser la question, évidemment. Pourtant je le mets à chaque fois, je dis aux gens oui c'est fait sur Photoshop, il n'y a pas d'arnaque. C'est un oryx et une autruche. C'est un oryx et une autruche. Ça fait un peu ça. Donc, toujours l'idée d'éviter d'avoir des redondances de matière. On reconnaît assez facilement ces deux éléments. Donc on va essayer de venir aller chercher des petits bouts à droite, à gauche. On va essayer de recréer une nouvelle texture. Après, évidemment, si on est très tatillon, je pourrais passer des heures et des heures à faire ça. C'est ça, je pense que là, de toute façon, on va regarder un petit peu le process. Alors, ensuite, donc, par-dessus, donc, je suis venu détourer tout bien mon oryx et je suis venu le mettre sur un nouveau calque qui va donc se porter par-dessus. Et par derrière, donc, j'ai dû reconstruire encore en haut le sol. Donc c'est plus ou moins la même technique que la dune de tout à l'heure. Après bon, je suis venu ajouter un petit peu, j'ai un peu atténué pour créer cette idée de profondeur, j'ai mis un peu de flou pour vraiment qu'on se concentre sur le premier plan. Et donc ensuite j'ai pris donc mes deux cornes de mon oryx que je suis venu tout simplement détourer et déformer pour arriver là-dessus. D'accord. Donc si on vient par exemple sans la déformation, est-ce qu'on pourrait avoir ça? Ouais, non. Je pense qu'on va pouvoir le retrouver sans déformation. Donc, écoute, on va pouvoir le refaire très rapidement. Je viens sur mon oryx. Donc plutôt que de m'embêter, par exemple, cette corne, plutôt que de m'embêter à la détourer, étant donné que j'ai déjà détouré mon animal en entier, je vais venir dupliquer mon calque. Je vais le passer au-dessus. Et donc ce calque, je vais venir en faisant Alt et clic sur le masque. Je vais venir le reprendre et je vais un peu coloriser tous les éléments. Mince. En noir, tous les éléments qui je sais ne sont pas cette corne, et donc tous les éléments en blanc vont apparaître, et tous les éléments noirs vont disparaître. Hop, je peux sortir. Là, tu vois, on a ma corne qui est déjà détourée correctement, pas besoin de repasser par une étape de détourage. Et après, je peux venir peaufiner les petits détails. Encore une fois, vu que j'utilise un masque, c'est pas destructif, donc je peux assez facilement revenir. À tout moment, tu reviens dessus, tu complètes l'image. Ouais. Et donc là, ce que j'ai fait pour cette corne, c'est... je lui ai appliqué, je pense, j'avoue que c'est pas moi que j'ai fait ce visuel, c'est quelques mois. Je pense que je lui ai appliqué une torsion. Mais le souci, c'est que quand je fais ça, ça va me prendre mon image en entière. Ouais. Et donc moi, j'avoue que jusque-là, la seule façon que j'ai trouvée, c'est passer en objet dynamique mon visuel. Et donc il va venir reprendre, au lieu d'avoir une très grande section, on a juste ma corne qui est là. Et donc cette corne, je fais donc une sélection sur elle. Et je viens... Je ne sais jamais lequel exactement. C'est torsion, c'est intéressant. C'est torsion, même si moi je m'en fous, je fais directement la commande ou contrôle T, transformation. Et avec le raccourci Alt, je récupère la torsion. Alt sur la poignée centrale. Généralement. Voilà, je suis venu un peu étirer ma corne. Le souci, c'est évidemment qu'on va perdre de la texture sur celle-ci. Et donc après, moi, par la suite, je viens essayer un peu de rattraper tout ça, de recréer un petit peu de texture, soit avec des calques qui vont venir de l'extérieur, soit manuellement avec du tampon ou des choses comme ça. Donc ouais, c'est comme ça que j'ai créé cette corne vraiment longue. Et ce qui est vrai, c'est plus simple que de venir aller chercher une autre corne. Moi, j'aime beaucoup travailler en fait sur des éléments qui sont déjà dans mon visuel. Que je vais venir prendre, retraiter, plutôt que d'importer de nouveaux éléments, de nouveaux visuels qui vont pas forcément coller avec la lumière, la couleur, etc. Ouais, ça te permet d'éviter de réinventer la roue à chaque fois. C'est ça, exactement.
Donc voilà, donc on a la première corde qui va venir comme ça. Bon, ma deuxième corde, je ne vais pas la refaire en entière, mais elle va se présenter de la même manière. Non, ça va bien. Donc voilà, c'est comme ça un peu que j'ai créé mes deux cordes. Bon, on va remettre l'original. Donc voilà, bon là, c'est vrai qu'on voit pas tout le process parce qu'ils sont en objet dynamique malheureusement. Mm-hmm. Mais je suis venu un peu essayer de rajouter de la texture. Là, on voit la base est pas trop déformée alors que sur ce que j'ai fait, elle est très étirée. Alors je sais pas si vous avez vu, je sais pas si t'as vu passer qu'aujourd'hui on peut récupérer les calques des objets dynamiques, mais on peut pas les récupérer avec la transformation. Tu fais un clic droit dessus. Tu peux sur le droit faire du comme Z dessus. Tu peux lui demander de convertir en calque. Stop. Et donc, alors, il va perdre les transformations, donc ça nous arrange pas forcément. Ok. Mais ça te permet à tout moment, dans un groupe d'objets dynamiques, de revenir sur ton calque original. Ok, d'accord. Et moi, souvent, je l'ouvrais, tu vois, parce que l'objet dynamique te. Ouais, bah, c'est nouveau, c'est arrivé dans sur la dernière version. Ok, d'accord. Donc, ça fait un bon. Ouais, remarque, tu vas jamais sauvegarder ça. Tout. Et. Donc derrière ces cornes, je suis venu ajouter mon ciel. Mmh. Mon ciel, comme je te l'ai montré tout à l'heure, c'est tout simplement... C'est ton dégradé. Ouais, c'est un dégradé. Là, pour le coup, j'ai juste un bleu sur lequel je suis venu ajouter poser des blancs. Un blanc en transparent. Un petit peu ça. Ça marche très bien, en fait, les blancs en transparence. Ouais, je trouve aussi. Donc voilà, pour le ciel, rien de bien compliqué. Mmh. J'ai toujours à chaque fois mes petits nuages qui viennent s'intégrer à l'intérieur. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont juste ici. Bon, encore une fois, là, j'ai dû faire une sélection, tu vois, donc tout ça qui ne va pas apparaître. Ouais. Pour avoir cette sensation que mes nuages, tant si je le prends, celui-ci, il ne peut pas aller plus loin que ce que je lui ai délimité. Ce qui rajoute encore une fois une idée un peu de. Qui donne du volume à mon visuel. Et là, à partir de là, c'est souvent l'étape où, tu vois, j'ai mes bleus, j'ai mes jaunes, rouges, ça dépend un peu du visuel, et c'est là que je viens faire ma colorimétrie. Où je viens donc ajouter mes éléments. Souvent je commence donc comme je te disais par les différents calques, la correspondance de couleurs. Mm-hmm. Et après je viens traiter la correction sélective là, qui est pas très forte. Ouais, qui est assez légère. Et mon niveau, on va dire c'est les trois principaux calques que j'utilise pour faire mes couleurs. Des fois il y en a beaucoup plus, ça dépend évidemment du visuel. Il y a Thierry qui disait que c'était pas triché mais retouché. Il y a TMPX qui précisait justement sur les torsions, vu ce qu'on a vu dans la première session. T'allais te faire plaisir, hein. T'as vu que l'outil de déformation dans Photoshop a évolué. Ouais. Avec cette fois-ci, au lieu d'avoir juste la grille de 3, on peut vraiment lui dire à tel endroit tu vas mettre un repère. Donc ouais, ça, c'est vraiment super. Ouais, et Ciel qui demande si les images proviennent de photos que tu as faites pendant des voyages. Et non, c'est que de la bonne image. J'aurais aimé. Mais comme on en parlait tout à l'heure, pour moi, c'est un peu. J'aimerais que ce soit l'étape prochaine. L'étape prochaine, j'aimerais bien partout sur la planète. Avoir un appareil décent, voyager un petit peu, pourquoi pas. Mais déjà avoir un appareil décent et pourquoi pas aller moi-même prendre mes visuels. Mais ça demanderait, comme je te disais, peut-être de changer un peu d'univers, parce que là, je suis beaucoup attaché aux animaux. Et j'aime beaucoup travailler sur la diversité des animaux. Et j'ai pas de panda dans mon jardin, j'ai pas d'oryx à disposition, ce qui demande. Ou alors c'est un grand voyage, c'est un voyage en Afrique. C'est ça. Je me dis aujourd'hui, j'ai la chance du coup d'avoir commencé comme ça avec vraiment les moyens que j'avais, c'est-à-dire un ordinateur et internet. Ce que je trouve génial parce que plein de gens peuvent faire la même chose. Et je me dis, ouais, donc aujourd'hui, je peux peut-être, vu que je vois que ça commence à fonctionner, les gens me suivent. Et pourquoi pas avoir un safari photo. C'est ça, essayer de m'investir qui serait quelque chose. Partir à la recherche d'espèces en voie de disparition et leur donner une nouvelle. Moi, j'adorerais. Hein. Si quelqu'un organise un safari, appelez-moi. Donc, on va t'envoyer en Tanzanie, on va t'envoyer. Et donc là vient se rajouter donc, l'élément un peu surréaliste. Cette idée, j'ai pris beaucoup de temps à la développer. Donc cette deuxième tête vient totalement d'une autre image. D'une autre image, c'est pas le deuxième qui était caché derrière. Non, absolument pas. Une image qui a rien à voir du tout. C'est un oryx en train de courir dans la savane. Et j'ai dû passer de bonnes heures à la trouver cette image pour avoir l'angle parfait et une tête. Disons que je voulais que la tête soit assez similaire avec le premier. C'est bien, tu vois, j'ai dû un peu retoucher le visuel, mais tu vois, les tâches sont quand même très similaires. Mmh. Et,
Donc ouais, c'est un peu la touche surréaliste du visuel. Je trouve que l'idée est assez simple, mais marche plus bien simple. Faut aller la chercher. Mais enfin, il n'y a pas énormément d'éléments qui viennent composer l'image pour le coup. Là, on est sur 50 calques. D'accord. Ce qui est un peu moins que la précédente. Et donc, évidemment, à chaque fois, on a un assez long travail, tu vois, de lumière. Mm-hmm. C'est ce que je suis venu rajouter pour coller avec mon premier animal. Ouais, donc vraiment réembrer, retrouver la texture, la même direction exactement, la technique que tu nous as montré tout à l'heure sur le chien. Mm-hmm. Réussir à trouver direction, ombrage. Il y a des fois où je triche un peu dans le sens où je respecte pas forcément les codes du réalisme. Par exemple, là, mm-hmm. on a ces deux cornes. En toute logique, elle devrait avoir une ombre ici au sol. Mais que ça peut représenter j'ai pour travaillé, pour mais pas troubler l'image. C'est ça, ça troublait l'image, ça manquait de... Ça attirait l'œil pour pas grand-chose, et au final... Ouais. On a nos petits aigles. J'aime beaucoup acheter des petits éléments qui sont assez anodins dans mes visuels. Par exemple, ici, ça nous permet de faire une transition entre l'intérieur de l'animal et l'extérieur. Et ça crée encore une fois du volume. Je trouve que c'est super intéressant de mettre des objets qui viennent créer cette transition, un peu comme ce visage, ce nuage va le faire. On voit qu'il est derrière. Je joue beaucoup avec les premiers plans, les seconds plans, pour créer l'illusion de réalisme dans mes visuels. Et donc là, après, donc, ce que j'aime beaucoup faire, c'est rajouter des petits éléments. Est-ce que quand tu as mis 4 oiseaux dans une image, ça veut dire que tu n'en mettras pas du tout dans les 3 prochaines ou pas? Non, du tout, il n'y a pas de code. C'est un oiseau minimum par image. Très bien. Ah, je me renseigne. Je vérifie. Et si vous voulez savoir pourquoi je dis ça, vous n'avez qu'à regarder le début de la session. C'est ça. Donc là, encore une fois, c'est du stock d'images. Donc je vais détourer mon oiseau. Mm-hmm. Je vais l'intégrer. Je vais ajouter. Je vais ajouter son reflet dans l'eau. Ouais. Son ombre. Voilà, c'est des choses importantes à savoir en termes de réalisme. C'est un peu tout. Je trouve que c'est quelque chose qui est assez dur à comprendre au début. Mm-hmm. Mais une fois que c'est bon, une fois que c'est intégré, une fois que t'as les bons codes, ça va tout seul. Mais c'est vrai que comprendre les idées, c'est tout bête, mais je vois beaucoup de photomontages sur Instagram ou sur d'autres, sur n'importe où, mm-hmm. de gens qui ont une super idée, mais il manque juste cet aspect, il manque le bon reflet qui va faire qu'on croit en l'image et que ça passe tout seul. Effectivement. Je suis en train de jouer de mon côté sur un truc, j'ai envie de vous montrer quelque chose, mais je suis pas encore tout à fait sûr. Et donc là encore derrière, j'ai acheté un petit élément, un petit oiseau avec à côté d'un squelette. Mmh. Et donc là pour le coup, donc encore dans l'idée de créer ce premier plan, cet arrière-plan, super important de jouer sur les flous. Pour moi, je travaille beaucoup avec du flou gaussien. Ouais. Je trouve que c'est le plus efficace pour créer cette idée de comprendre la perspective. Ouais, idée de perspective. Donc voilà ce que ça donne sans les flous. On s'en rend pas forcément compte, mais on sent qu'il y a quelque chose qui bloque parce que le sol déjà est le sol est beaucoup moins net, et rien qu'ajouter ces flous vient tout de suite intégrer beaucoup plus facilement tout ça. Donc encore une fois, un jeu d'ombre. Se pose beaucoup sur le détourage, les ombres, et après c'est l'idée qui vient faire un peu tout le reste. D'accord. Ouais, carrément. Je pense qu'il y a effectivement beaucoup ce genre de questions chez les utilisateurs. Comprendre un petit peu les petits détails qui, toi, vont attirer ton attention. Il y a une petite ombre de l'aigle volant dans la flotte, mais pas forcément. Et puis non, en plus, s'il y avait un reflet de l'aigle, il serait largement au-dessus de la tête. Voilà. Il serait en dessous de l'image, donc on le verrait bien. Parce que là, on voit donc la tête de l'oryx. Il y a quelque chose au-dessus, si on voit sa tête dans l'eau aussi. Et l'aigle est censé être donc beaucoup plus haut. Mais toi, comme je te disais, comme l'exemple de j'ai pas fait les ombres des cornes, pareil, j'ai pas fait l'ombre de cet oiseau qui serait arrivé par ici et ça aurait troublé. Donc c'est vraiment un choix, savoir quelles ombres sont importantes pour la bonne compréhension, lesquelles sont plus anodines et viendront plus perturber ton visuel qu'autre chose. J'y pensais tout à l'heure pendant qu'on était en train de regarder ta mise à l'échelle du contenu. On l'a sur ton écran, mais je me suis là. Est-ce que tu as vu passer un effet dans le menu édition qui s'appelle l'échelle basée sur le contenu?
qui est cachée dans Photoshop. L'échelle basée sur le contenu, en fait, Photoshop va analyser ton image et dire, bah, ok, je vois bien que là-dedans, il y a des choses qui sont à peu près simples, sur lesquelles on va pouvoir retravailler. Par exemple, les bambous, il va les étirer, mais par contre, il ne va pas toucher au verre dessus, aux tasses dessus. D'accord. Et on avait fait la session la semaine dernière avec il y a Stéphane Baril qui modérait, qui m'avait dit, ouais, tu devrais en reparler aussi. Mm-hmm. Où là, par exemple, je peux prendre la fameuse sélection, pardon, de l'objet. Hop, où es-tu, sélection d'objet ? Voilà. Prendre la fameuse sélection d'objet, mm-hmm, majuscule, voilà. J'attrape ma deuxième tasse pour sélectionner les deux éléments importants de cette image. C'est rapidement. En faire un masque, donc une couche alpha de protection, par exemple. Mmh. Et après, quand je vais lui demander de faire sur ce calque-là la mise à l'échelle basée sur le contenu, l'échelle basée sur le contenu dessus, en fait, je vais lui dire, bah, va protéger en fait les éléments qui étaient sous la couche alpha. Et du coup, il ne va pas déformer ces éléments-là. Ce qui fait que même si j'étire de cette manière-là, il va essayer de trouver les zones limites dans l'image, mais il va me garder ce truc-là. Et pareil, du coup, sur le côté vertical, il va recréer la texture. En fait, il va agrandir les éléments de l'image là où il peut le faire. Donc ici, par exemple, il s'est dit, ouais, peut-être que là, il aurait fallu que je protège aussi, peut-être cette ligne-là. Mais toutes les zones sur lesquelles il arrive à détecter qu'il ne se passe pas grand-chose, il va nous fabriquer de la matière. C'est génial, ok, je connaissais pas. Ouais, c'est Stéphane qui m'avait rappelé qu'on avait ça, et j'y pense pas toujours. Donc merci à lui, merci à monsieur Stéphane Baril. Julien compose ses images comme un artiste peintre digne de ce nom, il devrait s'y mettre pour agrandir sa créativité. Ouais, totalement. Peinture, mais de toute façon, tu fais du dessin aussi en amont sur tes roches. C'est ça, ouais, je fais du dessin, mais c'est vrai que, comme on en parlait aussi tout à l'heure, je suis du genre à être très frustré quand j'ai pas mon outil CTRL-Z à disposition. Mm-hmm. Je suis pas quelqu'un de super manuel, ouais. Mais ouais, j'aime beaucoup la facilité des logiciels, ouais. de l'informatique en général. Mais ouais, c'est vrai que j'ai pas cette patience d'aller chercher, forcément, si je fais de la peinture, d'aller mélanger mes couleurs, d'aller chercher mes couleurs. Alors, du que coup, ça tu m'avais dit que t'avais commencé à jouer avec Fresco aussi. Ouais, Fresco. Donc, Fresco sur iPad. Je serais assez curieux de voir ça. De voir les résultats prochainement. Bah, j'ai une deuxième page Instagram où je poste des petites bêtises. Qui est cachée derrière. Je dois avoir 5-6 visuels que j'ai commencé il y a quelques semaines. C'est un bon début. C'est ça. Tiens, il y a CLTA qui demande encore une question. Est-ce que tu travailles toujours sur un format carré? Et quelle est sa définition? Je cherche aussi à savoir si tu publies uniquement sur les réseaux sociaux. Alors... format carré, question. Ça fait un peu partie de... Je sais que j'en ai pas parlé au début, mais des codes que je me suis imposé. Donc, d'accord. Les codes que je me suis imposé, c'est les couleurs. Mm-hmm. Et le format carré, qui est assez récurrent. Dans un premier temps, c'était par rapport à Instagram qui propose des formats carrés. Et pour moi, l'idée, c'était pas... J'avais pas l'ambition d'en faire quelque chose, je travaillais justement pour Instagram. Tu t'imaginais pas faire une série de 120 photos? Non, absolument pas. Donc c'est vrai que je suis assez attaché à ce genre de petits détails, mm-hmm, qui sont pas forcément super importants, même si le format peut changer beaucoup de choses dans la création. Ouais, c'est des petits codes. Moi, les codes que j'ai, c'est mes couleurs, mon format et mes oiseaux qui viennent et qui vont. Et c'était quoi? En termes de résolution en DPI, tu mets quoi, toi? Je travaille sur du 3000 pixels par 3000. D'accord, ça te fait une image 30-30. Ouais, c'est surtout honnêtement pour des raisons de capacité de mon ordinateur. D'accord. On va pas se mentir. Mmh. Mmh, et parce que ça reste une très bonne qualité. Ouais, 30-30, ça fait un bon format. Ouais, et c'est facilement. Je peux les agrandir assez facilement sans perdre trop de qualité. Définition, ouais. Mmh. Et enfin, est-ce que tu publies ailleurs que sur les réseaux sociaux? Donc ça, vous n'avez pas vu le début où on était en train de regarder les publications des toiles, mm-hmm, et des impressions directement sur, ouais, le site. Donc si vous allez sur l'Instagram, vous pourrez retrouver les autres. C'est ça, vous pourrez retrouver dans mon lien. Et bon, comme aussi il y a mes vidéos YouTube que je faisais avant, quelques speed edits qu'on peut retrouver de mes premières créations notamment. Mais ouais, je suis beaucoup, notamment sur Instagram, énormément. Ouais. Et après, bon, j'essaie de me diversifier, d'atteindre un public un peu plus grand avec différents réseaux. Alors, si Elsia voulait un t-shirt, est-ce que sur un de tes fonds, il y a des t-shirts ou pas? Non, mais j'ai beaucoup de mal avec cet aspect. Ouais, c'est cette idée de... J'ai créé quelque chose, ça a plus ou moins un but artistique, et le mettre sur des produits, ça me... C'est encore une étape. Ouais, c'est une étape de plus, mais je me sens pas prêt de voir ça comme du marketing
écoute, il y a une amie qui travaille dans les musées qui m'a dit que son grand désespoir, c'était que ce qui se vendait le mieux, c'était les cravates et les chaussettes de Van Gogh. Mais totalement. J'en doute pas un seul instant. Peut-être qu'un jour je le ferai, mais il faudra vraiment que si je fais pour des t-shirts, c'est vraiment que mon but initial, ouais, c'est de créer pour du t-shirt. De créer pour du t-shirt et de créer cette gamme-là. Et j'y pense. Une chose à la fois, alors. Écoute, merci beaucoup, en tout cas, pour cette session. Merci au public d'avoir choisi avec nous d'abord le renard chien et ensuite l'oryx. Je reviendrai pour les autres, peut-être. Il faudra qu'on fasse toute la suite. Toute la suite, on la fera sur Photoshop iPad, la prochaine fois, quand tu seras rodé dessus. Pour ceux qui n'auraient pas vu, on a un Photoshop sur iPad qui est arrivé il n'y a pas très longtemps et qui, sur lequel ils ont vraiment mis le focus sur la partie justement masquage, photomontage, etc. Donc il y a vraiment pas mal de trucs à regarder. TMPX nous dit tu peux lier à la fois la peinture et tu peux commencer avec des créations sur du digital, t'en servir pour faire des peintures. C'est ce qu'il fait, mais il ne s'en sentait pas capable. Totalement, c'est très bonne idée. Une chose à la fois. Une chose à la fois. Mais écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à tous et à très bientôt. On se retrouve la semaine prochaine. Semaine prochaine avec une session qui traitera très certainement de vidéos. Et la deuxième session de la semaine prochaine, on sera arrivé au mois de décembre. Et je recevrai Monsieur Atomike, Mike Stéphanie, sur de l'illustration plutôt vectorielle, pas mal de Photoshop. D'accord. Vous devriez en profiter, je pense que ça va vous plaire. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.